Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un pack de 30 effets VHS que vous allez pouvoir intégrer sur Final Cut et Apple Motion. Si vous souhaitez télécharger le pack que je vais utiliser dans la vidéo, le lien est dans la description. Il coûte 22 $ américains, soit l'équivalent de 19,50 €. Mais j'ai une bonne technique pour vous. Vous allez pouvoir, pour 14,50 € le télécharger si vous avez un abonnement, si vous prenez un abonnement Envato Elements que vous pouvez résilier n'importe quand. Avec cet abonnement, vous allez pouvoir accéder à des millions d'actifs créatifs et notamment pas mal de choses sur Final Cut et Apple Motion. Alors on passe tout de suite sur mon ordinateur où je vais vous montrer l'intérieur du pack. Alors voici un exemple d'une vidéo que j'ai importée sur Final Cut. Et ici dans ma barre de droite de mes effets, si je descends un peu, je vois VHS Looks. Ici j'ai mes 30 effets. Alors c'est tout simple, pour les prendre, il suffit de glisser, déposer l'effet voulu. Par exemple, je prends l'effet numéro 1 et je le glisse et je le dépose sur ma vidéo. Ici, si j'appuie sur play, automatiquement, j'ai mon effet VHS. Alors ici, dans la partie de droite, je peux contrôler bien sûr tout ce que je souhaite et paramétrer l'effet comme je le souhaite. Et on va en tester un autre, par exemple, l'effet numéro 17, je l'importe, j'appuie sur play. Et là, c'est intéressant. Bon, ça rame un peu parce que mon ordinateur rame un peu, mais une fois exporté, bien entendu, ça ne rame pas. Alors ici, c'est intéressant parce qu'il y a la date en bas à gauche qu'on va pouvoir paramétrer et mettre à la date du jour, à la date voulue. Par exemple, ici, si je descends, elle est là. Je vais pouvoir marquer, par exemple, ici, le 2 février 2022. Et je pourrais rajouter n'importe quoi. Par exemple, si j'ajoute du texte, ça s'ajoute aussi. Vous pouvez voir dans la vidéo d'exemple un peu le tour des effets sympathiques. En tout cas, il y en a 30. Et si vous voulez les télécharger, c'est dans la description de cette vidéo. Et j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.